Salut à tous Alexandre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo toute simple spéciale Noël. Nous allons voir trois mélodies, celles de Petit Papa Noël, Vive le vent et Mon beau sapin. Vous allez voir, ça va être très facile. Prenez vos guitares, c'est parti. Et on commence donc par Petit Papa Noël. Alors du côté de la main droite, évidemment comme d'habitude pour ce genre de mélodie, soit vous jouez avec le pouce, soit vous alternez index majeur, ou alors vous pouvez aussi bien sûr jouer avec un médiator, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Ce qui va compter bien évidemment, c'est que chaque note sonne bien distinctement. On va démarrer. Au début, vous avez la troisième corde à vide, la corde sol, que vous allez jouer une fois. Ensuite, vous avez la première case de la deuxième corde que vous allez jouer avec l'index, et vous allez la jouer ensuite trois fois. Après, avec l'annulaire, la troisième case, et vous revenez avec l'index sur la première case. Ok, on a donc ceci. Ok, faites ça bien doucement, hein, que ce soit bien régulier. Après, ça continue, nous avons encore cette première case. Après, la troisième case à nouveau. Et ensuite, la première corde à vide. Ok ? Donc ça nous fait quelque chose comme ça. Ok, on a tam, tam, tam. Ce sont des croches ici. Hein. Tam, 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 tam. Après, j'ai continué à jouer du coup la corde à vide. Et ensuite, j'ai fait la première case de la première corde. Hein, ceci. 1, 3, 0, 0, 0, 1, 0 sur la première corde. Après, vous continuez. Vous avez la troisième case à nouveau de la deuxième corde. Vous revenez ensuite sur la première case. Vous avez après trois fois la première case que vous allez jouer. Pin, pin, pin. Ensuite, la deuxième corde à vide. Ensuite, la deuxième case de la troisième corde. Et après, la troisième corde à vide. Ok, donc cette petite partie, si je la refais, ça fait tin, 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 0, 2, 0. Ok? Après le final, on va avoir à nouveau cette troisième corde à vide deux fois. Pa, 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 et juste après la première case de la deuxième corde. Hein, donc ça fait pa, pa, pa. Ensuite, on enlève l'index, on rejoue encore la deuxième corde à vide. Ensuite, première case. Troisième case deux fois. Pa, pa, et ensuite à nouveau la première case. Ok? Donc la toute fin, je vous la refais doucement. Ça nous fait pa, 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 0, 1, 3, 3, 1. Ok? Prenez bien votre temps pour bien distinguer chacune de ces petites séquences afin de bien les assembler. Et maintenant, on va faire Vive le vent. Ici, la mélodie est un petit peu plus rapide et on va démarrer directement avec la deuxième corde à vide que l'on va jouer trois fois, comme ceci. Pa, 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 ok ? Ta, ta, ta. Et vous répétez ça une deuxième fois. Donc ça nous fait pam, 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 ok ? Après, vous avez à nouveau cette deuxième corde que vous allez jouer à vide une fois. Après, la troisième case de cette deuxième corde avec l'annulaire. Ensuite, la troisième corde à vide cette fois-ci. Et après, la deuxième case avec le majeur de la troisième corde. Et après, vous rejouez la deuxième corde à vide. Ok, je vous refais ça doucement, que ce soit bien clair. Hein, on a bien. Pam, 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 pam. Ok, là, ici, vous allez devoir changer de corde assez souvent. C'est un exercice assez sympa si vous êtes débutant. Après,
Nous avons l'index qui va aller sur la première case de la deuxième corde, et on va avoir une répétition encore de la note ici. Pim, 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 donc là je l'ai joué trois fois. Ensuite on va encore la jouer deux fois et on va enchaîner tout de suite avec la corde à vide. Ça va faire, si je reprends. Pim, 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 pim. Vous avez vu, j'ai fait 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, tan, 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 tan. C'est très important de chantonner ici pour vous accompagner dans la mélodie, hein. Ok, donc on a pam 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 pam. Après on a encore la corde à vide deux fois. Pam pam. Ensuite la deuxième case de la troisième corde. Pam pam. La deuxième corde à vide encore une fois. Et après vous revenez sur la deuxième case, troisième corde. Et après vous terminez ici avec une autre blanche sur la troisième case de la deuxième corde. Ok, je vous refais ça doucement, que ce soit bien clair. En fait, il y a tout qui va se répéter entièrement, ça va être juste la fin qui va être différente, donc je vous refais ça. Pam 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 pam. Et là c'est différent parce que là vous allez jouer à nouveau la deuxième corde à vide. Et après la troisième case, la première, une fois, deuxième case, troisième corde, et après la troisième corde à vide. Prenez bien votre temps, vous avez vu que c'est juste le final ici qui va être légèrement différent dans la mélodie principale de cette chanson. Et on va terminer tout de suite par mon beau sapin. Ici aussi, chanter la mélodie, ça va être très important pour bien s'en imprégner. On va démarrer par la quatrième corde à vide. Après, on a la troisième corde à vide qu'on va jouer trois fois, mais d'une certaine façon, évidemment. Donc, ça va faire depuis le début. Pam, 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 pam. Ok, donc la première note, c'était la quatrième corde à vide. Et après, j'ai fait trois fois la troisième corde à vide. Pam, 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 pam. Ok, pam, 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 pam. Ensuite, on continue, nous avons la deuxième case, juste après, de la troisième corde. Et après, on va aller sur la deuxième corde pour faire pam, pam, pam. Vous avez vu, ça ressemble, hein, ça revient. Donc si je reprends depuis le début, ça nous fait pam, 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 pam. Ok, faites ça déjà tout doucement. C'est un très bon exercice aussi pour vous délier les doigts si vous faites index majeur de ce côté-là. Alors après, on a... Donc là, je viens de faire pam, 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 pam. On a encore une fois cette deuxième corde à vide. Et après, il y a des notes qui vont s'enchaîner. Donc ça va faire 0 pour la deuxième corde à vide. Deuxième case de la troisième corde, juste après. À nouveau, la deuxième corde à vide. Première case. Et là, on va directement aller en quatrième case de la quatrième corde. C'est un petit peu plus loin. Ça nous fait faire un peu de gymnastique. Ensuite, deuxième case de la troisième corde. Et après, à vide. Ok, je vous refais ça très clairement que ça s'imprègne bien. Tan, 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 tan. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Après, vous allez directement en troisième case de la deuxième corde et jouez deux fois cette note. Pam, pam. Ensuite, deuxième corde à vide. Et après, première corde à vide. Ok, ça s'enchaîne assez vite, ça. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. On revient sur la troisième case, deuxième corde, pour faire pam, 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 pam. Donc là, j'ai fait troisième case deux fois. Et après, première case deux fois. Pam, pam. Encore la première case qu'on va jouer. Pam, pam, deux fois. Ensuite, deuxième case, troisième corde. Ensuite, troisième case, deuxième corde. Donc j'ai fait. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Là, je suis sur la troisième case. Et je reviens à nouveau ensuite sur la première case. Pam, pam.
et après deux fois la corde à vide. Ok, prenez bien votre temps pour distinguer ça sur la tablature. D'ailleurs, si vous avez du mal à lire la tablature, je vous ai mis un lien dans la description pour bien se familiariser avec. Donc je reprends cette partie, ça fait pam 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 pam. C'est joli comme mélodie. Après ça reprend exactement comme au début. Pam 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 pam. Pareil, pam 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 pam, et vous terminez de cette manière-là. Reprenez bien aussi le playback juste avant la démo, comme ça vous avez le petit curseur qui va vous indiquer clairement les notes. Vous avez bien sûr les partitions de ces trois petites mélodies, solfège, tablature et les paroles dans l'article correspondant à cette vidéo. Le lien est comme d'habitude dans la description. Si vous avez des questions, bien sûr, posez-les-moi dans l'espace commentaire, j'y réponds avec grand plaisir. Et je vous propose qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo qui sortira très bientôt. À la prochaine, salut, ciao!